Bienvenue à tous et à toutes dans ce cours de yoga dance by Ju. Le cours est accessible à tous les niveaux, mais n'hésitez pas à adapter les postures en fonction de vos ressentis. On commence avec une première partie échauffement et on poursuivra avec l'apprentissage d'une chorégraphie. Si vous voulez plus d'informations sur nos cours, stages et formations, rendez-vous sur notre site, le lien est disponible en barre de description ci-dessous. Bon cours! Ok, donc on va commencer du coup avec le pied droit devant, on est placé en posture du lotus, on va relâcher les poignets sur les genoux, on va juste prendre le temps de prendre une grande inspiration et sur l'expiration on va relâcher toutes les tensions physiques et mentales, tout ce qui nous obstrue en ce moment. Inspirez profond, expirez. Ok, on commence avec quelques postures. Donc on va retrouver le lotus avec la arch, on va venir pousser la poitrine vers le plafond en essayant d'agrandir la nuque au maximum pour ne pas pincer dans les vertèbres cervicales. Et d'ici on va relâcher par le bas du dos, là vous sentez vraiment que c'est le nombril qui commence à descendre, puis la poitrine, puis les épaules, puis la tête en dernier. Vous relâchez la nuque et vous laissez les bras glisser vers l'avant. Ici on relâche bien tout le corps, vous détendez les jambes, les hanches, le dos, tout le buste, les bras et surtout aucune tension au niveau de la nuque et du cou. J'inspire profondément et sur une expiration, je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Essayez vraiment de ramener toujours les épaules et la tête en dernier. Et puis je viens changer de jambe. Alors quand je vais changer de jambe, je vais me mettre sur mes fesses et je vais venir croiser mes mains comme je croise mes jambes pour relâcher les poignets une deuxième fois pour repartir sur une arch. Donc c'est la même chose, je pousse la poitrine vers le haut, le nombril avance, puis le haut du corps en dernier. On essaie vraiment de créer un effet déroulé. Ici, je sens que je me détends, j'ai mes deux fesses qui sont bien en contact avec le sol, je respire profond. Et sur l'expiration, je viens dérouler vertèbre après vertèbre et je reviens dans mon axe. Pareil, je me replace sur mes os ischions, sur les os des fesses et je viens développer les deux jambes, du coup les laisser glisser à l'avant. Les deux bras vont accompagner les jambes avec un petit temps de retard et je vais pouvoir relâcher par les coudes. Ici, je vais monter le bras gauche, je vais déjà agrandir tout le côté gauche avant d'aller chercher à pencher sur le côté droit. Je crée vraiment un arc de cercle qui part de ma fesse gauche jusqu'au bout de mes doigts et je reviens comme si on me tirait par le coude pour faire la même chose de l'autre côté. J'inspire et je pense toujours que j'ai de l'air qui peut passer entre l'épaule, l'oreille et le bras pour garder vraiment la nuque libérée au maximum. Ok, d'ici je repasse sur mes appuis, donc sur mes fesses, je ressoulève un petit peu les pieds pour venir placer ma quatrième, donc la jambe droite à l'avant, le pied gauche le plus possible rapproché de la fesse gauche. Je vais faire un grand tour de bras, les bras qui partent vers l'avant, vers l'arrière. Et quand j'ai fini mon tour, c'est mon ventre qui va venir s'étaler sur ma cuisse droite. Et les bras restent en V et je relâche complètement le poids de la tête. Inspirez profond ici, détendez tout le corps. On a un petit moment de passif. Et sur l'expiration, je déroule et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais juste passer sur mes fesses pour changer tout simplement les jambes et je vais repartir avec mes bras, faire un grand arc de cercle sans monter les épaules dans les oreilles et je viens relâcher le ventre sur ma cuisse gauche. Je libère complètement le poids du crâne, les mains, je respire et sur une expiration, je déroule tranquillement et je vais faire passer ma jambe droite à côté de mon genou gauche, poser ma main gauche et venir récupérer la posture de la guirlande ici, donc soit les talons collés au sol, soit soulevés du sol, il n'y a pas de souci. J'inspire profondément et sur l'expiration, je vais déposer les talons au sol, dérouler d'abord les jambes et ensuite le dos et ramener les épaules et la tête en dernier. Ok, donc ça c'est la première partie du coup de l'exercice qu'on va refaire et après je vous rajoute une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième partie. Donc on repart avec la jambe droite devant. Ici j'inspire, essayez vraiment de sentir la légèreté au niveau du dos et là je me ramollis complètement pour aller chercher le lotus. Relâchez, je détends bien le poids du crâne pour tout de suite dérouler. En fait on commence à essayer de fluidifier du coup les postures entre elles. Hop, je viens décroiser mes jambes, recroiser, faire croiser les poignets et relâcher sur les genoux. Ici j'inspire, je vais chercher la arch. J'expire, je glisse dans le sol,
je me détends, je laisse faire la pesanteur et je redéroule vertèbre après vertèbre. Je repasse sur mes fesses, je déploie mes jambes pour la pince debout, les bras accompagnent, puis relâche par les coudes et je viens chercher mon bras gauche, mon penché à droite et je remonte. Ici, pensez qu'on pousse vraiment les côtes vers le plafond pour étirer au niveau des intercostaux. Je relâche, je repasse sur mes fesses pour placer ma quatrième, venir directement ouvrir les bras et relâcher ensuite le poids du corps sur la cuisse droite. Et je redéroule pour venir changer de jambe. Et tout de suite, j'envoie mes bras, j'ouvre dans l'arc de cercle et je viens détendre le haut du corps. Inspirez bien profondément et sur l'expiration, je déroule et je vais faire mon petit demi-tour en posant le pied et en revenant à quatre pattes avant de ramener le poids du corps sur les pieds. Relâchez complètement le poids de la tête. Essayez de vous détendre une petite seconde ici dans la transition et venez dérouler les jambes, puis le buste, puis la tête. Ok, on voit la deuxième partie. Donc ici, les mains vont faire un petit arc de cercle pour venir s'accrocher derrière. Je vais entrelacer les doigts entre eux. Je vais pousser les mains vers le sol, pousser le bassin vers l'avant et tirer la cage thoracique au maximum vers le haut. Faites bien attention à ne pas relâcher complètement la nuque. Je garde une extension au niveau des cervicales et je reviens dans l'axe. Ici, je plie dans les genoux, mes genoux qui restent bien au-dessus de mes orteils. Je rentre le ventre, la poitrine pour venir chercher la contraction. Je relâche la tête et j'encercle un gros ballon avec les bras en première. Ok, super. Ici, je tends les jambes, je viens dérouler le buste, remonter les bras. Placez les bras au niveau des tempes, entrelacez les doigts, placez les deux index l'un contre l'autre. Ici, je vais imaginer qu'on m'aspire le bout des doigts vers le plafond et je vais pouvoir cette fois-ci relâcher complètement la nuque tout doucement en veillant à ne pas avoir de tension, de douleur au niveau des cervicales. J'étire un petit peu la gorge, le platysma et je reviens dans mon axe. Une fois que je suis revenue, je vais lâcher d'un coup mes mains et les bras vont venir se placer en seconde. Donc rappelez-vous la seconde, les bras légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière et les mains un petit peu plus basses que les épaules. Ok, j'inspire ici, sur une expiration je vais relâcher, je vais laisser tomber les mains vers les cuisses et je vais enrouler. Donc on va relâcher la tête, puis les épaules, puis le haut du dos, puis le bas du dos et je me rappelle que j'ai le poids du corps qui est plus à l'avant du pied que dans les talons, comme ça je préserve mes ligaments. Et je détends complètement une fois que je suis arrivée. Vous pouvez plier dans les genoux, bien sûr. Vous pouvez relâcher complètement le haut du corps. Inspirez bien profondément. Sur une expiration, on va remonter en dos plat. Donc là, c'est le crâne qui va venir chercher le dos plat. Pensez tout de suite, vous creusez votre bas du dos. Et rappelez-vous, on peut très bien être dans un angle en diagonale. Pas obligatoire d'être un angle à 90 degrés. Les bras sont ballants, il ne se passe rien au niveau des mains. J'inspire, j'allonge et le regard dans le sol. J'étire ma colonne vertébrale. Sur une expiration, je relâche complètement le haut du corps. Et là, je vais pouvoir plier une deuxième fois pour repasser par la guirlande passive, donc j'ai relâché complètement le haut du corps et je reviens une deuxième fois dérouler de manière logique vertèbre après vertèbre pour revenir dans mon axe. Ok, donc j'espère déjà que ces deux parties sont ok. On va refaire de toute façon, on repart sur la première partie et la deuxième partie enchaînée. Donc à chaque fois on va essayer d'amener de plus en plus de fluidité, de plus en plus de légèreté. N'hésitez pas à mouvementer vraiment votre yoga si vous sentez, si vous êtes créatif et que vous avez envie de rajouter des bras, des poignets, des regards, allez-y, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, et ensuite je vous rajoute la troisième partie. Donc on est reparti pied droit devant, on va chercher la arch, j'inspire, j'expire, je relâche pour dérouler directement. Et je viens décroiser, recroiser, relâcher les poignets, inspirer, monter le regard, expirer, relâcher tout. Et dérouler pour venir chercher la pince assise. Ici, jambes tendues, coudes relâchés. Et je vais chercher bras gauche sur le côté. Et je relâche. Et bras droit. Et je relâche. Et directement, la quatrième avec jambe droite devant, j'ouvre et je laisse tomber le poids du corps avec les bras en V. Et tout de suite, je redéroule de manière logique et je change de côté pour rebalancer les bras. Et la quatrième passive. Et je déroule et je viens détourner, revenir sur les pieds,
Déroulez vertèbre après vertèbre. Deuxième partie, j'attrape les mains dans le dos, je pousse le bassin en avant, je pousse la poitrine vers le plafond. Je reviens pour faire ma contraction, petit plié, bras première. Et je remonte par l'extérieur les bras, je viens attraper les bras au niveau des tempes, j'entrelace les doigts, je tire, je me hisse vraiment vers le plafond pour venir relâcher, libérer un petit peu le poids du crâne. Et je ramène dans l'axe, les mains vont lâcher d'un coup, je reviens en seconde. Ici, je relâche et j'enroule tout simplement, je laisse le poids du crâne m'amener vers le sol. Inspirez profondément, profitez un petit peu de la pince debout ici. Et expire, je remonte dos plat là tout de suite. Je cherche à creuser mon bas du dos. Rappelez-vous, on a le poids du corps dans les orteils. Et sur une expiration, on relâche tranquillement. Et on repasse par la guirlande passive. Donc je relâche et je redéroule directement pour revenir dans mon axe. Et on va passer du coup à la troisième partie. Je vais venir ouvrir. Je me replace du coup en première. Donc j'ai ouvert ma première. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans le postural. Essayez vraiment d'appuyer sur la tranche extérieure des pieds pour ne pas laisser les genoux avancer vers l'avant. Et refermez un petit peu si nécessaire, si ce n'est pas agréable. Donc ici, on va faire un petit plié avec les bras seconde. On ouvre les genoux vers l'extérieur. Le dos reste bien droit et on relâche. Là, on va venir croiser les poignets pour repartir sur un grand plié. Donc je prends le temps de sentir que mon dos descend comme si je glissais contre un mur. J'ouvre les genoux au maximum, je ne pose pas tout de suite mes fesses, j'attends le dernier moment pour venir relâcher, poser les mains au sol. Si vos talons arrivent en contact avec le sol, c'est ok. Si vous restez en talons demi-pointe, il n'y a pas de problème non plus, vos mains vous permettent de ne pas perdre l'équilibre. Et ici, je vais commencer à développer mes jambes, du coup je peux reposer mes talons rapidement. Et ensuite, en même temps que je vais tendre complètement mes jambes, je viens dérouler, dérouler, dérouler pour revenir dans mon axe. Et je vais finir avec bras couronne et demi-pointe. Donc on est en première ici. Et je pousse sur les gros orteils. Faites attention à ne pas casser les chevilles. Gardez votre appui au niveau du gros orteil. Et faites-moi un beau ballon avec les bras. Poussez les coudes vers l'extérieur. Descendez les épaules. Tirez les index vers le plafond. Et on vient réouvrir pour relâcher. Ici, je vais plier pour glisser et venir placer ma seconde. Vous ferez attention à avoir les genoux bien au-dessus des talons, donc pas trop écarter les pieds, pas trop fermer. Et je repousse pour faire la même chose en seconde. Donc je viens faire petit plié, donc allez-y vraiment léger le premier. Je croise les poignets et grand plié. Là, je peux descendre plus profond et je peux venir relâcher. Faites attention à ne pas lâcher les genoux vers l'avant. Je pose mes mains dans le sol pour repousser directement comme en première. On vient dérouler les jambes et le dos en même temps. Et ici, je continue ma course avec les bras couronne. Je monte sur les deux demi-pointes. Pareil, j'appuie bien sur les gros orteils, j'allonge le dos et sur une expiration, je redépose les talons. Je libère mes bras et là, je vais venir pivoter les talons vers l'extérieur, hop, pour repasser en parallèle et je viens relâcher le dos pour venir placer ma girafe. Donc j'ai le poids du corps à l'avant du pied, les jambes le plus tendues possible, mais vous pouvez plier bien sûr dans les deux genoux si c'est pas agréable. Je détends complètement, je laisse tomber les tensions vers le sol, je respire profondément. Sur une expiration, on va venir plier sur la jambe droite, on va approcher les mains du pied droit. Tournez un petit peu les orteils comme si on voulait se placer en guerrier 2, les orteils vers l'extérieur. Et ici, je vais libérer ma jambe gauche tout de suite vers le plafond. Les mains sont près du pied, mais si vraiment vous n'avez pas l'équilibre, éloignez un petit peu les mains des pieds. Et ensuite, essayez de tendre votre jambe de terre. Si elle est pliée, c'est ok aussi. Par contre, aucune tension au niveau de la nuque. Et après, une fois que vous êtes placé, vous essayez de monter la jambe le plus haut possible, le pied bien pointé, la jambe bien tendue, bien engagée. Ok, du coup, je vais redescendre la jambe, je vais replier sur mon genou droit, je vais redéposer mon pied gauche, je vais repivoter mon pied droit en parallèle et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je plie dans le genou gauche, je pivote le talon gauche, je pivote les orteils vers l'extérieur et je remonte ici dans ma pince debout avec jambe en l'air. J'essaye de trouver mon astuce, mon option pour être le plus confortable possible. Si la jambe n'est pas haute, il n'y a aucun souci, mais j'aimerais vraiment qu'elle soit droite et bien ouverte dans l'en dehors.
et sur une expiration, je viens refermer les deux pieds l'un à côté de l'autre, je plie léger dans les deux genoux et je déroule vertèbre après vertèbre pour revenir dans mon axe. Je me suis un petit peu décalée, j'espère que vous suivez toujours. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause bien sûr et à revoir quelque chose hein, si c'est pas clair, c'est la magie du virtuel. Donc on est reparti pour cette première, deuxième et troisième partie qu'on vient de faire. Je vous rajoute la quatrième, après on refait tout une dernière fois et ensuite on passe à la chorégraphie. Donc jambe droite devant, poignet sur les genoux, on est parti. J'inspire en arch, j'expire, je détends tout le corps, je déroule. Et je change de pied et je relâche les poignets, pousse la poitrine vers le haut, expire, détends, relâche le haut du corps et déroule. Et les deux jambes devant, je croise, je libère les coudes et bras gauche, inspire et bras droit, expire et change. Quatrième, tour de bras et relâchez. Déroulez et change et tour de bras et relâche quatrième et déroule en douceur et ici on vient passer de l'autre côté sur les pieds, je dépose si je peux mes talons au sol et tout de suite je viens dérouler, gardez vraiment le haut du corps bien lourd dans les déroulés et reviens se placer dans l'axe en dernier. Ici j'attrape mes mains, partie 2, je vais chercher la arch, le cambré avec la montagne et je ramène dans l'axe pour venir inverser la courbe et venir faire une contraction. Expire, je relâche, les bras montent vers l'extérieur, j'attrape, j'entrelace les doigts et je viens libérer le poids du crâne en arrière. Je reviens dans l'axe, les mains lâchent d'un coup, je reviens par la seconde et je libère tranquillement. Je viens enrouler vertèbre après vertèbre et je remonte directement dos plat ici. Et relâchez, pliez dans une guirlande passive et déroulez vertèbre après vertèbre pour revenir dans l'axe. Ok, je me replace au centre, vous avez juste à ouvrir votre pied droit pour venir placer votre première et on est parti. Petit plié, 1, j'allonge la nuque et grand plié, 2, j'ouvre bien les genoux au maximum, au dernier moment je viens relâcher et je viens dérouler le tout ensemble, revenir dans l'axe, continue avec les bras, place la couronne, monte sur demi-pointe et relâche par l'extérieur. Plie dans les genoux, ouvre dans une grande seconde et repousse le sol. Pour repartir, petit plié, je tire jusqu'au bout des doigts et ramène. Et grand plié, je vais bien profond sans lâcher les genoux et je relâche le haut du corps et je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Ça continue avec les bras, on place la couronne, on vient monter sur les deux demi-pointes, on repose. On ouvre et on passe les talons parallèles pour relâcher dans la girafe. Ici, profitez-en vraiment pour respirer, pour vous détendre, relâcher toutes les tensions musculaires. Et on est parti pour la pince debout. Je plie jambe droite, je vais ouvrir le pied en même temps. Je pose les deux mains au sol et je viens chercher ma jambe gauche vers le plafond. On respire, on tire, on monte le pied au maximum. Et tranquillement, je redépose. Et j'inverse pour aller chercher sur la jambe gauche et viens monter jambe droite vers le plafond. Inspire profond. Sur une expiration, redescends le pied, retrouve la parallèle, plie dans les deux genoux et déroule tranquillement pour revenir dans l'axe. J'espère que tout va bien. On voit du coup la quatrième partie de l'exercice. Ici, je vais remonter le pied, donc je vais venir chercher mon retiré et je vais placer les deux bras à la seconde. Ensuite, je vais relâcher, je vais essayer de chercher mon retiré passif, donc vraiment le dos tout détendu. Ok, je redéroule le dos, je vais ouvrir le genou droit pour aller chercher directement mon arabesque. Je tire le pied en arrière, je garde les hanches dans l'axe et j'essaye d'avoir les deux bras à la seconde. Ensuite, je vais poser, plier le genou gauche et déposer du coup le pied droit. On reste sur demi-pointe arrière et on a gardé l'en dehors à l'avant. Donc, on n'est pas vraiment dans un guerrier 1. On est dans une grande quatrième, on appelle ça en danse, qui peut s'apparenter au guerrier 1, mais en dehors. Ici, vous allez monter les bras par l'avant, bras parallèles.
et je vais venir chercher une petite arche en allongeant mon ventre, en poussant le visage, les bras et le thorax en même temps vers le haut. Super. Je relâche par les coudes, je viens tendre la jambe avant, j'ai pas changé mes pieds de place. Je reviens placer les bras parallèles, j'inspire ici, je vais juste chercher à tirer les mains le plus haut possible, donc du coup ça va me faire monter les épaules dans les oreilles. Je vais relâcher, libérer, et ici je vais plier dans le genou pour repasser mon talon gauche et revenir tendre ma jambe avant. Ok, ici je replace la seconde, les bras seconde, je pousse la poitrine vers le haut, une dernière arche pour bien chauffer, préchauffer le dos, et je relâche. Du coup je replie dans le genou gauche, je pivote ma jambe droite pour passer en guerrier 2. Ici les bras vont se développer, donc regardez, je commence par les coudes, par les épaules, les coudes et les poignets pour faire comme une petite waves, et ensuite je viendrai pousser la main droite vers le plafond, glisser la main gauche vers le plafond, la main droite, je vais y arriver, vers la jambe, et j'ouvre les côtes au maximum. Ok, je ramène, et du coup, je vais refermer avec ma jambe droite, et je vais faire juste quelques pas gauche, droite, pour venir me placer de l'autre côté, et refaire exactement la même chose. Donc on retire du coup avec la jambe gauche, je monte les bras à la seconde. Ici, je garde ma stabilité jusqu'au nombril et je viens relâcher complètement le haut du corps. Donc c'est léger, pas besoin d'aller bien bas, ok? Je remonte, je viens ouvrir mon en dehors et je viens développer, en même temps que je développe mes bras, ma jambe arabesque. J'inspire, j'allonge le dos. Expire, je plie dans la jambe droite pour poser le pied gauche derrière. Amener les bras par l'avant pour aller chercher ma arch. En guerrier 1, grande quatrième. Expire, je viens tendre la jambe droite. Je monte les deux bras. Ici, je viens chercher à tirer jusqu'au bout des doigts. Laissez-les monter les épaules. Expire, je relâche pour plier dans le genou droit qui va venir replacer mon pied droit dans l'axe. Je replace les deux bras à la seconde, la jambe avant qui est tendue, et je pousse la poitrine vers le plafond. Inspirez profond, expire, je relâche, j'ouvre mon pied gauche, les mains se croisent, je vais chercher ma waves pour développer mes bras, et mon bras droit monte vers le plafond, j'ouvre les côtes, je vais chercher à tirer la main loin au maximum, expire, je ramène, et on peut venir refermer et dérouler. Ok, j'espère que cet exercice ça va, surtout la dernière partie qui est un petit peu plus technique, mais normalement on a tout vu dans le cours de postural, donc n'hésitez pas aussi, vu que vous avez accès à toutes les vidéos, vous pouvez refaire le postural, refaire le yoga danse, plus vous aurez la posturologie, l'alignement, la technique en fait de base, plus vous allez vous amuser après dans les chorégraphies, et encore plus dans les cours après avec Manon. Ok, on refait tout ce qu'on vient de voir une dernière fois, donc le plus fluide possible, le plus détendu, relâché, n'hésitez pas à mouvementer, à vous amuser, à créer. Et ensuite, on passe à la chorégraphie. On est parti. Donc, pied droit devant, coude, poignet sur les genoux. Et on est reparti. Monte la poitrine, relâche complètement. Et déroule. Et change de jambe. Là, on essaye de faire tout plus grand. Je hisse ma poitrine vers le haut. Je détends complètement mon corps, je le ramollis. Je déroule pour venir chercher ma pince. Assise et relâche par les coudes et va chercher le plus loin possible le pencher côté et de l'autre côté et relâche, passe quatrième, un grand tour de bras bien fluide, bien léger et je détends, je libère et je déroule en même temps que je change directement pour ouvrir les bras, inspire profond, libère en quatrième, déroule et viens passer. Pied droit, reviens sur quatre appuis, dépose tranquillement le haut du corps et déroule vertèbre après vertèbre. Partie 2, viens attraper les mains dans le dos, pousse la poitrine vers le haut, va chercher le plus loin possible dans le cambré sans faire mal et ramène, grande contraction, inspire et expire, je remonte les bras par l'extérieur, je relâche le poids du crâne en arrière, je ramène les bras lâches. Seconde, et je relâche pour faire, j'enroule, je vais chercher ma pince debout, je me détends, je remonte dos plat, j'allonge le dos,
Expire, je replie, grand plié. Expire, déroule, reviens dans l'axe. Ouvre simplement le pied droit pour venir en première, petit plié 1. Relâche et petit plié, grand plié 2. Et je relâche complètement le haut du corps et je déroule tout le corps en même temps. Ça continue avec les bras pour venir placer la couronne, monter sur les deux demi-pointes et reposer doucement. Ici, c'est ma jambe gauche qui glisse et je viens replacer. Premier petit plié et referme. Et grand plié profond, relâche, déroule, ramène. Première. Monte sur demi-pointe, repose, passe parallèle, relâche, girafe, détends tout, plie jambe droite, va chercher directement la pince debout, jambe gauche plafond, et repose doucement, pivote, change de jambe, et viens chercher jambe droite plafond, et je referme mon pied droit, je plie dans les deux genoux, et je déroule directement. Pour remonter, avec le retiré, je glisse le pied le long de ma jambe et je relâche le haut du corps. Et je redéroule, j'ouvre mon en dehors, je viens faire passer mon arabesque, je pose en arrière et je viens chercher les bras vers le haut pour aller dans la arche, dans le cambré. Je tends ma jambe gauche, je remonte les bras une deuxième fois parallèle, j'étire les mains vers le plafond, expire, relâche, plie genou gauche, repasse parallèle, garde les bras à la seconde, pousse la poitrine vers le haut et replie pour venir passer le guerrier 2 avec la waves, le bras gauche, on ouvre, on tire les côtes vers le plafond et je relâche, je referme pied droit et je marche gauche, droite pour venir faire la même chose de l'autre côté, retirer et relâcher. Et en dehors, et développe, arabesque, bras, et pose dans le sol, garde le plié à l'avant, pousse la poitrine vers le haut, et retends les deux jambes, monte les bras par l'extérieur, tire jusqu'au bout des doigts, relâche, repasse le pied droit, parallèle, retends, et viens chercher la arche ici en tirant jusqu'au bout des doigts, je plie, je pivote mon pied gauche, je viens chercher mon guerrier 2, je monte le bras droit vers le plafond et je ramène les deux pieds, je déroule et je reviens dans mon axe. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à refaire cette dernière partie une dernière fois, si besoin encore de se chauffer, de se réveiller. Et je vous retrouve tout de suite pour la chorégraphie. Ok, on est parti du coup pour la chorégraphie. Donc vous allez voir, vous allez retrouver pas mal d'éléments qu'on a déjà travaillés. Ça va être juste un petit peu plus mouvementé. Je vous invite à venir vous asseoir comme au début de l'exercice. On repart par la même posture, donc la posture du lotus avec une arche. Donc, sauf qu'ici, quand on va pousser la arche, on va lever un petit peu les poignets comme si on recevait quelque chose du ciel et on relâche un beau cadeau. Et on relâche complètement et on revient dérouler. Donc c'est vraiment la même chose que les exercices. Ok ? Donc juste ça fait j'inspire. Je monte les mains, j'expire, c'est vraiment le nombril qui redescend en premier, ensuite les épaules, ensuite la tête. Alors j'ai oublié juste de vous dire un truc, ici on va venir replier les avant-bras et on va venir placer les mains au niveau des omoplates, d'accord? Et quand je vais dérouler, ben, tout simplement je vais laisser les mains redescendre et revenir devant moi, ok? Juste une dernière fois ça, je monte la poitrine dans la arche, je pose les coudes, je ramasse, du coup, je viens chercher mes mains vers les omoplates et je viens dérouler. Alors, à savoir que si vous n'avez pas assez de flexion avant pour poser les coudes, il n'y a aucun souci, vous le faites ici, tout simplement, coude hors sol, et vous déroulez. Hein, n'allez pas vous faire mal, vous n'allez pas essayer de soulever les fesses du skull, ce qui ne serait pas très joli. Donc, ici, ensuite, je vais venir replacer ma pince assise, exactement comme dans l'exercice, et vous avez vu, donc mes mains sont parties de devant à derrière, et ensuite elles ont fait un grand tour pour aider mes jambes à venir se replacer ici. Tout de suite, vous faites attention, vous poussez le nombril en avant, faites attention à ne pas avoir le bas du dos comme ça, ok? Et je relâche. Du coup, quand je vais relâcher mes bras ici, je vais
relâchez. Il y a une petite intention de buste vers le haut. C'est pas vraiment une arche, c'est juste je pousse ma poitrine, je relâche. Regardez, les coudes, ils passent derrière. Je vais essayer de tendre mes bras. Et là, je vais faire comme si mes mains avaient attrapé quelque chose vers le haut pour venir revenir, en fait, me placer dans l'axe, ok? Juste ça, parce que ça a l'air de rien, mais c'est quand même un petit peu technique. Je relâche les coudes. C'est la respiration, le relâcher. Donc, vous voyez, c'est comme si mon dos était encore creusé ici. Et ensuite, je vais venir dérouler le dos plus mes mains qui montent, d'accord? Si j'enlève les mains, regardez juste ce que fait le dos. Je viens chercher le creuser et ensuite le dos rond pour venir vraiment dérouler, d'accord? Et si je ne fais pas le buste et que je fais que les bras, donc mes bras, ils m'ont amené ici dans la pince assise, ils ont relâché, ils sont venus derrière et ils tirent sur les côtés pour revenir le plus vite possible vers le haut. Avec ça, donc on a un petit regard aussi, une petite intention vers le haut et je relâche le tout, ok? Ici, on va envoyer du coup la jambe gauche. On va croiser notre jambe droite et envoyer la jambe gauche vers le fond pour repasser sur les mains. C'est la même chose qu'on a fait dans l'exercice, sauf qu'on le fait de l'autre côté. D'accord? Donc j'étais en pince assise ici. Je croise ma jambe gauche devant. Je pose mes mains, vous voyez, je les pose à côté de mes fesses là déjà pour me permettre de faire ce demi-tour. Sauf qu'en fait, je ne vais pas ramener mon pied droit posé sur demi-pointe. Je vais le garder sur le coup de pied parce que lui, il va continuer à glisser vers la droite. J'arrive au début dans une espèce de, c'est un passage, hein, mais dans une grande seconde bien ouverte. Donc les genoux, faites attention à ce qu'ils ne rentrent pas. Et ensuite, je vais venir tendre les jambes. Là, je vais faire une petite respiration avec le dos. Je vais vous le faire de profil, ça, la respiration. Regardez, je vais essayer de vous le décomposer. Je viens rentrer le nombril, rentrer, faire un dos rond, en fait, tout simplement. Et au dernier moment, regardez, c'est mon bassin qui pousse vers l'arrière. Le nombril redescend, le regard reviens en face et je relâche. Donc je passe du dos rond au dos creux, d'accord? Pour faire comme si je faisais une wave, vraiment une vague avec mon dos. Clac. Ok, donc pareil, hein, vous pouvez toujours avoir les genoux pliés si besoin ou les jambes tendues. Une fois que j'ai fait, donc j'étais ici, j'ai déployé mes jambes, j'ai fait ma petite ondulation de buste, je vais finir avec une ondulation de bras pour ouvrir mes bras d'un côté et de l'autre. Alors, plier, dérouler, et je vais juste prendre un petit temps pour commencer à vous expliquer les waves. Alors, le prochain mois, donc là, on fait les bases ce mois-ci. Le mois prochain, on fait le flow, donc c'est-à-dire toutes les ondulations, toutes ces techniques, mais on commence à en parler déjà un petit peu ici. Les waves, donc c'est ce que j'ai montré dans les exercices. On commence avec les épaules, les coudes, les poignets, et on déroule, si possible, par les mains, d'accord? Ça doit être quelque chose vraiment de très onduleux, vraiment comme une vague, hein, ça porte bien son nom. Donc là, c'est un petit peu plus dur parce qu'on a la tête à l'envers, la tête en bas, mais c'est faisable. Donc je reviens, j'étais en posture de la girafe, j'ai plié mes genoux, je retends les deux jambes, je fais mon ondulation de buste, et ensuite épaules, coudes, poignets, pour venir finir mon ondulation, ok? J'espère que ça va. Encore une fois, vous n'hésitez pas à mettre sur pause et revoir, refaire si les informations ne sont pas claires ou ne rentrent pas peut-être d'un coup, et c'est ok. Donc on repart du coup avec notre pied droit devant. Ici, je viens monter la poitrine vers le haut, monter les mains et je relâche par le dos creux. Ici, je rapproche mes mains des omoplates et je redéroule le tout pour venir ouvrir jambe droite, jambe gauche. Tout de suite, j'allonge mon bas du dos. Je relâche par les coudes, j'ai une petite intention de respiration. Ça va chercher les mains derrière, dérouler le buste, tirer les mains vers le plafond avec le petit regard au dernier moment et je relâche. Quand je relâche, je suis déjà en train d'aller vers la droite pour plier ma jambe droite, passer la jambe gauche devant, pivoter, le pied droit qui glisse pour venir récupérer. Donc là, on a les pieds parallèles, on est plié, la girafe. Je tends les deux jambes, j'ondule le buste, j'ondule les bras, ok? Donc j'espère que déjà ça va. Je me replace au centre pour vous montrer la suite. Ici, donc je vais replier dans les genoux une fois que j'ai fini donc mes bras et je vais pivoter. Donc en fait, je suis parallèle, je suis comme dans une grande fente, d'accord? J'ai pivoté mes deux pieds, mes orteils vers la droite et je suis encore pliée du coup sur la jambe gauche arrière. Ici, je vais dérouler. Donc là, vous pressez bien les pieds dans le sol et vous engagez les abdos pour que le déroulé soit le plus beau, on va dire, le plus logique possible.
J'ai les deux jambes tendues quand je suis arrivée, donc vous retrouvez votre posture du triangle qu'on a travaillé en posturale et qu'on a travaillé dans les échauffements. Et on va faire un grand tour de bras gauche. Donc ça va commencer, la main gauche part vers la droite, le bras droit suit, je fais comme vraiment un grand soleil ici. Et je relâche, d'accord? Alors, au fur et à mesure qu'on le fera, et vous allez le refaire plusieurs fois, on pourra peut-être aller chercher une petite arch, donc une petite intention d'aller vers le haut, voire un grand cambré, d'accord? Mais ça, c'est vous qui verrez en fonction de vos capacités physiques, tout simplement. Donc, moi, ça me va si on fait juste bras gauche, bras droit. Et ensuite, je vais venir pousser la main droite. Donc, c'est vraiment comme si je repoussais le mur. Pousser la main gauche. Ici, je vais faire une petite arch, les mains vont descendre un tout petit peu, 20 cm grand max. Et ensuite, je vais faire un dos plat, un angle, et les mains vont partir derrière. Mais vous voyez, j'ai gardé les bras le plus tendus possible, ici et ici, d'accord? Et mes deux pieds qui sont toujours en train de presser très très fort dans le sol pour qu'il y ait vraiment un appui solide. On va essayer de faire cette remontée. Donc revenez du coup, vous placez en girafe, jambes écartées, pieds parallèles. Plié dans les deux genoux, on fait déroule les jambes, déroule le dos, déroule les bras et pivote à droite pour dérouler et tout de suite, bras à gauche, bras à droite. Ici, je ramène devant, donc j'ai une petite intention de refermer mes mains face au pubis et relâcher ma tête pour repartir, bras droit, bras gauche et en arrière, arch. En avant dos plat, donc là gardez bien votre dos plat et encore une fois vous n'êtes pas obligé d'aller à 90, ça me va très bien. Moi ce qui m'intéresse c'est le côté propre et placé, si vous ne l'avez pas encore compris, je m'en fiche des performances et vraiment d'aller chercher le plus loin possible, je veux que ça soit bien lisible, d'accord, ce que vous faites. Ok, donc on est arrivé ici je vais venir relâcher, donc j'ai le buste qui va pencher un petit peu en avant et je pose mon pied gauche. Et je déroule pour revenir sur mes pieds. Ok, donc là, on arrive à la partie de la chorégraphie qui est un petit peu plus engageante, on va dire, mais qui est faisable, hein, parce qu'on a tout travaillé en amont. Donc, vous étiez ici, vous avez fait donc votre mouvement, vous avez replié votre pied gauche, ramené votre pied gauche, et vous avez déroulé. Ici, c'est le retirer, donc c'est la pointe de l'orteil du pied gauche qui va monter. Tout de suite, on va venir ouvrir dans l'en dehors. Alors vous avez vu, mon bras gauche, il va me gêner, hein, il va me gêner, donc du coup, je vais le passer par-dessus et faire un petit mouvement. Vraiment, le bras, ça doit être léger, comme si vous balanciez un petit peu de poudre de fée. Voilà, on va dire ça. Donc hop, en même temps que j'ouvre, c'est direct, hein, j'ai parallèle, en dehors. Ici, je vais venir développer ma jambe arabesque, mais les bras, je vais les laisser tomber, on n'est pas en bras seconde, je les laisse tomber. Et je vais descendre jusqu'à poser mes mains. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez toujours l'option d'avoir les mains un petit peu plus vers l'avant, sinon vers le pied, pour venir replacer votre pince debout. Et ici, je vais finir le mouvement en faisant un flex, pointe, d'accord? Je replie dans le genou gauche, je plie dans la jambe droite, je pose le pied gauche et je déroule. Je reviens dans mon axe. Ok, on va essayer de tout refaire avec la remontée. Donc on repart de la girafe d'ici, pied parallèle. Hop, on est plié dans les genoux, on fait jambes tendues et dos et mains. Pour faire pivoter à droite, développer, bras gauche, petite arch éventuellement, bras droit, referme les mains devant pour pousser, bras droit, bras gauche. Et je vais chercher arch, avec les mains qui restent, vous voyez, je gardais le flex dans les mains. Et en avant, donc dos plat, je relâche, je redéroule pour tout de suite retirer, bras plus l'en dehors, viens développer l'arabesque, plonge les mains vers le pied, monte le plus haut possible, flex, pointe, plie dans le genou, redépose le pied et ensuite plie les deux genoux pour relâcher. Ici, on va venir attraper les mains dans le dos, donc ça vous connaissez, on l'a fait aussi dans l'exercice. Je vais pousser le bassin en avant, je vais chercher tout simplement mon cambré dans la montagne. Je relâche. Ici, donc, quand je dis relâche, d'un coup, je vais lâcher mes mains, je vais faire une petite impulse pour revenir dans l'axe. Les bras vont croiser, remonter en couronne, ça vous connaissez. Je monte sur les deux demi-pointes et si possible, je descends
En gardant mes demi-pointes, je vais essayer de venir connecter et chercher ma guirlande active avant de relâcher complètement. Ok, donc alors c'est une option sur demi-pointe. Sinon, si vous sentez que c'est un peu trop périlleux, vous posez les talons au sol et vous descendez en parallèle, en sixième, en gardant le dos bien droit. Et à ce moment-là, les talons se décolleront à un moment donné. De toute façon, ils vont se décoller du sol. Ok. L'idée, c'est de venir connecter les coudes au niveau des genoux. Et une fois qu'ils se sont touchés, ça me permet de relâcher, dérouler une dernière fois. Je vais garder ma jambe droite pliée, tendre la gauche devant comme si je faisais un dégagé. Et je vais ouvrir, je vais faire un rond de jambe avec ma jambe gauche. Alors le rond de jambe, on ne l'a pas encore vu, mais je vous l'explique, je vous l'introduis. Donc la jambe, en fait, celle qui est tendue, la jambe gauche, elle va rester vraiment tendue tout le long. Et vous allez lui mettre une petite impulsion parce que c'est elle qui va faire tourner. Et là, vous allez me dire, mais on est coincé là, jus. Et oui, vous êtes coincé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au moment, pour arriver complètement de l'autre côté, je fais une petite triche, je soulève un petit peu le talon. D'accord? Donc j'envoie, je déroule ma jambe. Et là, hop, je soulève un peu le talon pour venir me poser dans mon guerrier 1, grand quatrième, que vous connaissez. Ok? Et je finis. Donc la choré est pas longue, mais vous avez vu, elle est quand même assez technique, faut la voir. Ici, je vais venir attraper mon pouce et mon index, comme si j'attrapais un fil, le fil de quelque chose, d'accord? Ça me fait monter un peu le coude derrière. Regardez, c'est mon épaule qui va venir plonger vers l'avant. Là, j'ai le coude, le poignet qui est encore cassé. Et ensuite, je vais venir remonter le bras tendu. C'est vraiment comme si j'avais attrapé quelque chose. Et je viens finir une torsion. Donc, j'ouvre le bras droit vers la droite avec le regard. Je referme tout. Là, vous débrouillez pour fou. Ramenez les deux pieds parallèles et vous déroulez tranquillement. Ok? On va refaire tout ça. On va le refaire du début, plusieurs fois. Comme ça, vous le rentrez bien dans le corps. Et après, je vous le montrerai en musique et vous pourrez le travailler du coup chez vous. Donc, on est reparti. Jambe droite devant. Coude, poignet détendu. Et arch, soulève les mains. Et relâche, main omoplate et déroule. Et viens récupérer jambe droite, jambe gauche, petite intention vers le haut. Ça relâche, ça monte les bras, ça déroule le dos. Le regard avec une inspiration et je laisse tout dégouliner vers la droite pour venir faire mon tour sur mon pied gauche et ouvrir ma jambe droite pour repasser ici. Jambe tendue et buste et bras. Puis je détourne à droite, je déroule pour faire bras gauche, donc le soleil, bras droit, ramène les mains devant et pousse, pousse, arch, dos plat, relâche. Alors attendez, je recule juste un peu, ne bougez pas, hop, et je viens chercher, retirer, ouvre la jambe, passe dans l'arabesque, descends, pose les mains, monte la jambe gauche le plus haut possible, flex. Pointe, relâche dans le genou, plie, déroulez. Dès qu'on a déroulé, on vient attraper les mains derrière et pousser le bassin en avant. Et ici, relâche, donc direct, tu vois les bras, ils croisent, ils remontent pour la couronne. Et ici, ils vont redescendre, regarde les coudes, ils commencent déjà à aller chercher les genoux. Et une fois qu'ils ont connecté, boum, on relâche tout de suite le rond de jambe, on développe la jambe. On pivote dans l'autre diagonale, j'attrape mon fil imaginaire, je plonge avec mon épaule, je tire jusqu'au bout des doigts et je viens ouvrir le regard à droite et relâche, déroule. D'accord? Il y a beaucoup de déroulés, c'est vraiment pour fluidifier au maximum le passage entre les postures et ça vous fait du bien au dos, donc c'est tout bénef. Ok, on va essayer de le refaire un petit peu plus vite, j'espère que c'est clair. Et ensuite, je vous le montre avec la musique. Ici et arch, relâche et coude, déroule et droite, gauche, regard, relâche, déroule, lâche les mains et pivote direct, jambes, dos, bras, pivote à droite, déroule et bras gauche, bras droit. Et pouce droite, pouce gauche, en arrière, en avant, relâche et remonte, retire
et plonge, détends, flex, pointe, relâche, plié, déroule, attrape les mains, relâche, devant, couronne, connecte, descend, relâche, déroule et rond de jambes, attrape derrière et plonge, torsion et relâche. Ok, juste un truc, essayez vraiment de garder la jambe gauche à l'arrière ici dans la grande quatrième, tendue à fond, faites attention à ça, on n'est pas en fente, et surtout pressez bien toujours sur le gros orteil, hein, pour pas avoir la cheville qui se désaxe complètement. Ok, je vous le montre en musique. Ooh, yeah. Things are gonna get easier. Ooh, yeah. Things will be brighter. Things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it all done. Someday, when your head is much lighter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à essayer de le travailler aussi du côté gauche. Je trouve que c'est toujours intéressant d'explorer nos capacités d'un côté et de l'autre, et surtout faire travailler aussi la chaîne musculaire à gauche. On le fait dans les exercices, mais généralement on oublie de le faire dans les chorégraphies. J'espère que tout s'est bien passé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous contacter si vous avez quoi que ce soit comme question. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite.